Bonjour, bienvenue dans notre cours du lundi soir, préenregistré bien sûr. Voilà, on n'a toujours pas de salle, donc vous en êtes bien aperçu. Donc on pratique toujours sur son tapis chez soi. J'espère que vous suivez assidûment ces cours. Voilà. Donc pour aujourd'hui. Si des fois vous entendez des gros bruits sourds, ne vous faites pas de soucis, le voisin du dessus fait des travaux un peu lourds. Donc voilà, si le plafond ne me tombe pas sur la tête, eh ben, j'ai de la chance. Donc ne vous formalisez pas plus que ça si vous entendez des gros bruits. Et pour l'instant, ben, vous allez vous asseoir, hein, l'assise la plus confortable possible. Étirement derrière la nuque. Respirez longuement. Enroulez bien vos épaules. Maintenant, vous savez, hein, on a assez travaillé sur cet étirement. Étirez et ouvrez l'écluse de la nuque. Coude près du corps, paume de main vers le ciel. Vous expirez, vous contractez bien le bas du ventre, remontez le périnée, c'est votre point d'appui. Inspire, vous sentez l'étirement dans la colonne vertébrale. Vous écartez les ailes du nez. Vous observez le flux de l'air sur les parois internes des narines. Vous êtes conscient de cette relation que vous avez avec la terre, ses racines qui poussent. Vous êtes conscient de cette relation que vous avez avec le ciel, ces petites antennes qui se dirigent, ou ces grandes antennes qui se dirigent dans l'univers, qui vont capter l'énergie du cosmos, les racines qui remontent l'énergie de la terre. Vous êtes conscient de cette boule d'énergie au niveau de votre nombril, hein, qui récupère toutes ces énergies. Et vous êtes conscient que cette boule va nourrir tout votre corps, vos cellules, va se diffuser dans votre cœur, dans votre cage thoracique et va rayonner à l'intérieur et à l'extérieur. Le visage est détendu. Vous respirez longuement. Vous observez ce silence qui se pose doucement à l'intérieur. Vous êtes conscient de cette énergie qui tourne, qui se connecte en haut, qui se connecte en bas. Puis vous amenez les mains jointes devant la poitrine, enroulez bien les épaules, expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras vers le ciel et tirez. Expirez, descendez les mains au niveau du nombril et doucement enroulez la tête et la nuque. Relâchez bien, enroulez. À l'inspire, déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Quelques instants d'immobilité. Vous respirez tranquillement. Puis vous défaites votre posture. Et vous la prenez dans l'autre sens. Vous retrouvez votre assise. Vous êtes conscient de la dissymétrie qui s'opère dans votre corps. Vous replacez les étirements, nuque bien droite.
de main vers le ciel. Replacez votre respiration en conscience. Vous écartez les ailes du nez. Sentez l'étirement, respirez bien. Vous êtes conscient de ce silence qui s'ouvre à l'intérieur quelques instants. Vous allez amener les mains jointes devant la poitrine, de nouveau enroulez bien les épaules, expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras vers le ciel et déployez le corps. Expirez, descendez les mains au niveau du nombril et doucement enroulez, relâchez bien tête et nuque. À l'inspire qui suit, déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Et vous venez placer les deux mains un petit peu en arrière du bassin, de chaque côté. Vous repoussez les omoplates dans le sol, ça soulève les fessiers. Je fais exprès de dire appuyer, de parler des omoplates et non pas de l'appui dans les mains. L'énergie part des omoplates. On redresse le buste, le bassin se soulève. L'énergie va dans le sol et passe par les mains. Et dans cette posture où le bassin est allégé et effleure le sol, nous allons laisser résonner le son OM trois fois. Vous inspirez. Expirez profondément, contractez le bas du ventre. Inspirez pour le chant. Inspirez bien, gardez l'étirement. Expire, vous enroulez, vous amenez le front vers le nombril, rentrez bien le ventre. À l'inspire, déroulez. Relâchez. Déposez le dos des mains sur les jambes, respirez longtemps. Et puis vous allez revenir, vous défaites la posture et vous allez prendre un tailleur. Les deux pieds bien placés sous les genoux, une longueur de main entre l'arrière des jambes et le périnée. Vous levez un peu les fessiers de chaque côté pour être bien installé. Et vous allez poser les mains sur les genoux. Nous allons faire une petite balade en chameau. Expire, rétroversion du bassin, on enroule le bas du dos. On se redresse. Puis inspire, antéversion du bassin, poussez bien le bassin vers l'arrière. Redressez-vous et on enchaîne. Expire, on enroule, remontez le pubis, revenez. Inspire, on va vers l'avant. On revient dans l'étirement. Expire, on enroule, revient. Inspire, on étire vers l'avant. On revient. Expire, on enroule, on revient. Expire, antéversion. On revient. Expire, rétroversion. On revient. Inspire, antéversion. On revient.
Expire, rétroversion, on revient. Inspire, antéversion, on revient. Un instant, on s'étire, on enroule les épaules. Et on défait les jambes et on croise dans l'autre sens. Même posture, les deux mains sur les genoux. Et on enchaîne de nouveau. Expire, rétroversion du bassin. Pensez à remonter le pubis. On revient bien dans l'axe en s'étirant, on enroule les épaules. Antéversion, on avance. On revient bien dans l'axe. Expire, rétroversion. Poussez bien les pieds dans le sol. Remontez le pubis. Redressez. Inspire, antéversion. Poussez le bassin vers l'arrière. Toujours l'appui sur les pieds. On revient dans l'extension dorsale. Expire, rétroversion. On enroule. On revient. Inspire, antéversion. N'essayez pas d'avancer trop le menton. Hein, on étire l'arrière de la nuque. Expire, rétroversion, remontez le pubis, on se redresse. Inspire, antéversion, on se redresse. Expire, rétroversion, on se redresse. Inspire, antéversion, on revient. Étirez. Et vous défaites la posture et vous la prenez dans l'autre sens. Replacez bien les ischions. Vous pouvez poser les mains sous les fessiers, bouger d'une fesse sur l'autre pour avoir votre assise. Et on va faire la meule soufie, c'est-à-dire on imagine un ballon devant le ventre. Doucement, on va faire d'abord une rotation de gauche à droite. Donc, antéversion vers l'avant, rétroversion vers l'arrière. On fait bouger le nombril autour de son ballon. On pense bien à l'expire de vider, de remonter le périnée, d'étirer à l'inspire. Hein, les deux épaules sont bien au même niveau. On expire dynamiquement vers l'arrière, on inspire dynamiquement vers l'avant. Et on va dans l'autre sens. Et vous revenez dans l'axe, vous inspirez longuement. Enroulez les épaules, remontez le périnée, contractez le menton, la gorge, gardez le souffle et relâchez. Vous défaites la posture, vous la prenez dans l'autre sens. De nouveau la meule soufie. Doucement, rotation de gauche à droite. Expire, antéversion. Expire, rétroversion. Inspire, antéversion. On est toujours dans un étirement pour ne pas écraser les vertèbres. Hein, il y a une action du périnée, du bas du ventre. On pousse les fessiers dans le sol. Et dans l'autre sens. Et vous revenez dans l'axe. Vous inspirez longuement, vous étirez bien l'arrière de la nuque, le sommet de la tête. Contractez le périnée, contractez le menton, la gorge. Omoplate descend vers la taille. Et relâchez, revenez. Vous défaites la posture, vous la prenez dans l'autre sens. Toujours les tranches de pied bien posées au sol.
Hein? Assurez-vous bien de l'assise au niveau du bassin. Redressez le buste, étirez. À l'inspire, vous ouvrez les deux bras de chaque côté, pouce vers le ciel, fermez les quatre doigts sur les paumes de main. Grandissez, étirez. Et là, nous allons faire une respiration de feu en contractant le périnée. Petite expiration rapide. À l'inspire, levez les bras, les pouces en contact, vous étirez, vous ouvrez les paumes de main de chaque côté, étirez les doigts, expire, vous ouvrez les bras et vous les raccompagnez. Vous revenez, respirez. Défaites la posture, vous la reprenez dans l'autre sens. Les mains sous les genoux, étirement derrière la nuque. Respirez. À l'inspire, vous ouvrez les deux bras de chaque côté, pouce vers le ciel, enroulez vos épaules, les bras juste en-dessus de l'horizontale, fermez les doigts dans les paumes de main. Étirez. De nouveau, respiration de feu, contraction du bas du ventre. Ça part du périnée, du pubis, de l'anus. Inspire, montez les bras, pouce en contact, étirez. Vous tournez les paumes de chaque côté, tendez les doigts, expirez, vous raccompagnez les bras de chaque côté en poussant bien les paumes, comme si vous poussez les murs. Vous revenez, respirez, respirez. Vous défaites la posture, vous croisez dans l'autre sens, de nouveau, toujours le même tailleur. Les deux mains sur les genoux. Vous sortez le bras droit à l'horizontale devant vous, inspirez bien. Déplacez le bras, vous posez la main derrière le bassin, inspirez. À l'expire, vous emmenez le corps en torsion à droite et le regard vers l'arrière. Vous revenez doucement dans l'axe, vous ramenez la main droite sur le genou, vous sortez le bras gauche, enroulez bien les épaules, déplacez le bras gauche sur le côté, la main derrière le bassin, étirez-vous, inspirez, expirez, vous emmenez le corps en torsion à gauche. Vous revenez doucement dans l'axe, vous ramenez la main gauche sur le genou. Respirez bien, défaites la posture et vous croisez dans l'autre sens. Vous sortez le bras droit à l'horizontale, enroulez les épaules, placez la main droite derrière le bassin, tendez le bras droit. Inspirez. À l'expire, vous emmenez le corps en torsion à gauche, le regard vers l'arrière. À droite, pardon. Vous revenez doucement de face. Vous ramenez la main droite sur le genou droit. Vous sortez le bras gauche. Déplacez le bras gauche sur le côté. La main derrière le fessier. Vous inspirez. Expire le corps en torsion à gauche. Le regard vers l'arrière. Vous revenez dans l'axe doucement, longuement. Les deux mains sur les genoux, respirez. Respirez longuement. Et puis vous défaites la posture. Vous allongez les jambes devant vous. Vous pointez les pieds. Doucement, vous glissez les mains derrière le bassin.
Vous amenez une rétroversion du bassin et vous allez accompagner le bas du dos au sol, le front toujours vers le nombril. Vous déposez le dos, la nuque, la tête, vous relâchez les bras, vous relâchez les jambes. Vous respirez longuement, longuement. Puis vous allez revenir, serrez vos deux jambes, ouvrez vos deux bras de chaque côté, les paumes de main, les épaules plaquées au sol, Makarasana, et vous ramenez bien les orteils vers vous, vous tendez les jambes, vous verrouillez au niveau des rotules. Je vous rappelle que les jambes restent tendues. Vous inspirez, étirez l'appui dans les épaules. Expire, vous roulez sur la hanche gauche, vous tournez la tête à droite, la hanche droite monte, l'appui dans les épaules, la lève. Vous ramenez le bas du dos, vous roulez sur la hanche droite, vous levez la hanche gauche, tournez la tête à gauche. Vous ramenez le bas du dos, puis expire, vous roulez sur l'autre hanche. Vous suivez votre rythme régulièrement. Vous adaptez la vitesse entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous pouvez faire. Expirez bien, poussez les talons le plus loin possible, ramenez les orteils à chaque fois. Vous êtes conscient que les jambes sont tendues, vous montez la hanche en appuyant sur les épaules. Si vos jambes se plient, c'est que vous n'avez pas assez de force dans votre ventre et dans votre bassin. Ça veut dire qu'il faut travailler ceci. Expirez. Pour travailler ceci, il faut d'abord accepter de ne pas aller loin et de ne pas plier les jambes. Plier les jambes, c'est dans le je veux faire. Les garder tendues et peut-être ne lever la hanche que de 1 ou 2 mm. Alors là, on est dans un mouvement en conscience qui va nous servir. Le reste, c'est simplement fait pour amuser le corps. Expirez bien, tendez les jambes. Expirez bien, ramenez les orteils. Chaque appui dans les épaules, la hanche opposée se lève. Essayez de sentir ce mouvement régulier à l'intérieur. Cette puissance qu'on va chercher dans le ventre, à chaque fois vous ramenez le bas du dos et vous revenez dans l'axe. Vous repliez les jambes, vous glissez le bassin vers les talons un instant, vous écartez les pieds, les genoux sont en contact, vous venez poser les mains sur les aines et vous respirez. Respirez longuement. Sentez bien la chaleur des mains, des paumes, les aines. Détendez vos épaules. Respirez. Resserrez vos deux pieds, vous ouvrez vos deux bras de chaque côté, vous tendez vos deux jambes. Vraiment désolé pour le voisin, mais il faut faire avec, ça fait partie du lâcher prise. Vous levez la jambe droite, vous placez le talon droit entre les deux gros orteils du pied gauche, vous étirez bien l'arrière de la nuque, vous voyez, la posture est bien étirée, bien tendue, l'appui est dans les deux épaules, c'est le même mouvement que tout à l'heure, avec une forme différente. Vous inspirez. Expire, vous roulez sur la hanche gauche, vous tournez la tête à droite. Tendez bien les deux jambes, ramenez les orteils. Ramenez doucement le bas du dos. Expire, vous roulez sur la hanche droite, montez la hanche gauche, tournez la tête à gauche. La tête tourne doucement. On ramène bien le menton vers la poitrine pour pouvoir étirer l'arrière de la nuque. On adapte
de la vitesse avec ce que l'on peut faire ce matin ou ce que l'on a envie de faire. Expirez bien, enroulez, sentez vos appuis qui bougent. Vous pouvez accélérer si vous avez envie de vous défouler. Vous pouvez ralentir si vous voulez travailler en profondeur. Expirez bien, sentez les appuis. On dit dans un travail en yoga, plus vous allez travailler doucement, plus les progrès vont s'inscrire durablement et plus vous allez acquérir de la puissance. Travailler vite amène des certaines modifications physiologiques qui sont intéressantes. Mais si vous voulez gagner de la puissance, de l'efficacité, il faut travailler doucement. Donc les deux sont intéressants. Vous choisissez ce que vous avez envie de faire ce soir. Expire. Vous revenez doucement dans l'axe. On va reposer le pied droit, placer le talon gauche entre les deux premiers orteils du talon d'Achille. Entre le talon d'Achille entre les deux premiers orteils du pied droit. Vous inspirez, vous étirez et on enchaîne. Expire, on roule sur la hanche droite, on tourne la tête à gauche, on revient. Expire, on roule sur la hanche gauche, on tourne la tête à droite. On se promène tranquillement. Expire, c'est toujours Makarasana. On y va, on est conscient de l'appui dans les épaules, l'ouverture du sternum. On s'enroule, on expire, on se promène. Conscient de ce mouvement régulier, celui qu'on a placé, qui est bon pour nous ce soir. On va bien chercher cette force à l'intérieur. Et vous revenez dans l'axe, défaites la jambe gauche, pliez les deux jambes, écartez les pieds, glissez le bassin vers les talons, venez poser les mains sur les aines, vous respirez longuement, détendez bien, relâchez bien, longuement. Vous êtes conscient de l'appui dans le bas du dos. Et puis tranquillement, vous allez resserrer vos deux jambes. Vous ouvrez de nouveau les deux bras de chaque côté. Et là, vous allez glisser le pied gauche devant le pied droit. Vous ramenez la cuisse droite à la poitrine et vous posez le pied droit sur la cuisse gauche. Dans celui-ci, on va essayer de ne pas aller loin. Vous inspirez longuement. À l'expire, vous roulez sur la hanche gauche, vous tournez la tête à droite. Les deux jambes à 30 degrés, pas plus, on garde l'alignement dans les genoux. À l'inspire, on ramène le bas du dos, on laisse les jambes aller à droite et la tête à gauche. On inspire. Expire, vous ramenez le bas du dos, vous roulez sur la hanche gauche, montez la hanche droite, tournez la tête à gauche, vous expirez, jambes 30 degrés, appuyez sur les épaules.
Inspire, vous ouvrez sur la droite. Tête à gauche. Expire, vous plaquez le bas du dos, jambe à gauche, tête à droite. Inspire, ramenez bien le bas du dos dans le sol, jambe à droite, tête à gauche. Expire, les deux jambes à gauche, la tête à droite. Inspire, les jambes à droite, la tête à gauche. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Expire, ramenez le bas du dos, tout part du bas du dos et du bassin. Inspire, on ramène et on emmène les jambes à droite, la tête à gauche. On ramène les jambes à gauche, la tête à droite. Inspire, on ouvre de nouveau à droite, tête à gauche, les deux genoux bien dans l'axe. On revient dans son axe tranquillement. On repose le pied droit, on ramène le pied gauche, les deux jambes sont serrées, vous respirez. On reste dans la posture. Puis vous avancez le pied droit devant le pied gauche. Vous amenez la cuisse gauche à la poitrine et le pied gauche sur la cuisse droite. Vous inspirez. À l'expire, vous roulez sur la hanche droite. Les jambes vont à droite, la tête à gauche. Pas plus que 30 degrés. À l'inspire, ramenez le bas du dos. Les deux jambes vont à gauche et la tête à droite. Expire, vous ramenez le bas du dos, les jambes à droite, la tête à gauche. Inspire, vous ramenez le bas du dos, les jambes à gauche, la tête à droite. Et on enchaîne. Expire, les jambes à droite, tête à gauche. Inspire, jambes à gauche, tête à droite. Les deux genoux sont bien toujours sur le même axe. Expire, les deux jambes. À droite, tête à gauche, on monte la hanche gauche. On revient plaquer le bas du dos, inspire, jambe à gauche, tête à droite. On revient, jambe à droite, tête à gauche. On revient, jambe à gauche, tête à droite. On revient, jambe à droite, tête à gauche. On inspire, jambe à gauche, tête à droite. Expire, jambe à droite, tête à gauche. Inspire, jambe à gauche, tête à droite. Vous revenez dans l'axe. Vous reposez le pied gauche. Vous ramenez le pied droit. Vous laissez les deux pieds s'ouvrir de chaque côté. Les deux genoux bien en contact, posez les mains sur les aines, respirez, détendez. Détendez bien au niveau des épaules. Puis vous plaquez le bas du dos, doucement vous amenez les cuisses vers vous, croisez les doigts derrière les cuisses et de nouveau laissez peser les bras, les jambes et vous prenez conscience des deux aines que vous repoussez vers le fond de la salle. Détendez les épaules. Respirez. Vous prenez appui, à l'inspire, vous levez le buste. À l'expire, vous ramenez les cuisses vers la poitrine en repoussant les aines vers le fond de la salle et peut-être que le front vient vers les genoux. Vous relâchez. Un instant, vous allongez les jambes. Laissez les bras s'écarter, respirez longuement. Et puis vous plaquez le bas du dos, serrez vos jambes,
Déplacez les mains dans le creux lombaire, poussez index touche. Expire, vous plaquez le bas du dos, ça lève le buste, les bras se tendent, vous êtes assis. Vous sentez bien l'étirement jusqu'à l'arrière de la nuque. Respirez. Vous inspirez longuement. À l'expire, vous glissez les mains en direction de vos chevilles ou vos pieds. Vous poussez le bassin vers l'arrière. Quand vous êtes à votre maximum, rétroversion du bassin, relâchement de la tête et de la nuque. À l'inspire, on redéroule le dos doucement, ça part du bas du ventre. Vous ramenez les mains de chaque côté du bassin, légèrement en arrière. Vous redressez de nouveau le buste jusqu'à l'arrière de la nuque. Ramenez les orteils vers vous. Roulez les cuisses vers l'intérieur. Vous allez au bout de l'inspire. À l'expire, vous poussez le bassin vers l'arrière. Le buste avance. Les mains avancent. Vous poussez bien le bassin vers l'arrière. Puis vous tournez les paumes de main vers le ciel. Vous enroulez le bas du dos. Vous relâchez la tête, la nuque, les jambes. À l'inspire qui suit, déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Étirez. Placez les deux mains de nouveau de chaque côté du bassin. Vous allez au bout de votre inspire, ramenez vos orteils, roulez les cuisses. Expire, vous poussez le bassin vers l'arrière, le buste va vers l'avant, les mains glissent de nouveau. Tournez les paumes de main vers le ciel, enroulez, relâchez. Respirez dans la posture, abandonnez-vous. À l'inspire, déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Replacez les deux mains de chaque côté du bassin, étirez, ramenez les orteils, roulez les cuisses vers l'intérieur. Puis vous amenez les mains jointes devant la poitrine, expirez bien. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras vers le ciel, poussez les talons le plus loin possible. Expirez, ramenez les mains sur les cuisses. Et vous allez poser la main gauche sur le tibia droit. Et par-dessus la main droite sur le tibia gauche. Vous croisez les poignets, vous étirez. À l'expire, vous écartez les coudes et là, vous allez pousser le bassin vers l'arrière. Vous gardez une extension dorsale. Et vous enroulez tête et nuque. Relâchez bien. À l'inspire, vous redressez le buste. Et là, tout simplement, vous allez lever le coude droit, vous allez laisser le sternum aller vers l'avant et vous regardez par-dessous votre aisselle droite, vous expirez. Vous revenez en repoussant l'aine gauche vers l'arrière, vous rentrez le ventre, vous enroulez le bas du dos. Expirez bien, détendez. À l'inspire, redressez le buste. Relevez le sternum, puis vous levez le coude gauche, vous laissez le buste aller vers l'avant, vous expirez, vous regardez par-dessous votre aisselle gauche. Vous ramenez bien l'aine droite vers l'arrière, vous relâchez la tête et la nuque. À l'inspire, vous déroulez le dos, vous revenez. Des mains sur les cuisses, on s'étire. Puis vous venez poser la main droite sur le tibia gauche. Par-dessus, la main gauche sur le tibia droite. Vous ramenez les orteils. Vous inspirez, vous étirez. Expire, vous allez vers l'avant. Gardez les poignets croisés. Enroulez-vous. Inspire, redressez le buste en poussant le bassin vers l'arrière. Vous levez le coude droit et en expirant,
Vous étirez le buste, vous poussez bien le bassin, vous regardez par-dessous votre aisselle droite. Vous ramenez bien l'aine droite, l'aine gauche vers l'arrière. Vous revenez dans l'axe. À l'inspire de nouveau, étirez vers l'avant, redressez le buste. Puis vous levez le coude gauche et à l'expire, vous emmenez le bassin vers l'arrière et vous regardez par-dessous votre aisselle gauche. L'aisselle droite vous ramène et vous relâchez. À l'inspire, vous déroulez le dos longuement, doucement, ça part du bas du ventre. Vous vous étirez. Vous reposez les deux mains de chaque côté du bassin, grandissez. Vous ramenez le talon droit vers le périnée. Vous dirigez les omoplates vers le sol, ça soulève le bassin, ça lève la jambe gauche. Vous allez un peu vers l'avant comme si vous voulez rester en équilibre. Vous reposez. Vous tendez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche. En inspirant, vous dirigez les omoplates vers la taille, vous étirez, vous levez la jambe droite et vous allez vers l'avant comme si vous voulez être en équilibre. Et vous posez. Vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. À l'inspire, relevez le buste, étirez, les omoplates vont vers le sol et le buste vers l'avant. Et posez. Vous dégagez les jambes et vous êtes à genoux. Assis sur les talons. Hein, ceux qui sont avancés maintenant peuvent serrer les talons pour les placer dans le petit bassin, chaque fois qu'ils y pensent. Étirez bien le buste, les mains sur les cuisses si vous avez besoin. Enroulez vos épaules. Inspirez, étirez. Expire, vous avancez le sternum vers l'avant, poussez le bassin vers l'arrière. Les côtes viennent sur les cuisses, vous enroulez le front, vient vers les genoux. Relâchez les bras le long du corps, calez la tête si vous avez besoin. Vous êtes dans la posture de l'enfant. Chaque expire, vous avez une contraction du périnée, comme s'il remonte vers l'intérieur. Chaque inspire, vous ressentez bien la pression des côtes sur les cuisses. Et vous ressentez bien la respiration dans votre dos tout le long de votre colonne vertébrale. Du sacrum, du coccyx, jusque derrière la nuque, jusqu'à l'occiput. Vous vous abandonnez totalement. Une contraction du bas du ventre, doucement vous déroulez le dos pour revenir vous asseoir. Placez les mains de chaque côté des genoux si vous avez besoin. Et vous allez écarter vos deux genoux. Nous allons retourner sur notre posture de la grenouille. Vous avez les gros orteils en contact, les mains juste devant le bassin. Une posture qui vous emmène au bonheur. Sentez bien l'étirement derrière la nuque. Posture de la grenouille indique, induit un chemin de vie. Respirez. Vous sentez bien le sternum. Doucement, vous emmenez le sternum vers l'avant. Vous enroulez vos épaules et vous redressez le buste. Le bassin est légèrement soulevé. On étire bien l'arrière de la nuque. Les omoplates glissent vers la taille, le buste va vers l'avant. On étire encore un peu plus le sternum vers l'avant et on remonte le périnée. On respire dans la posture. Et on revient doucement.
On dépose le dos des mains sur les cuisses, on respire. Je vous l'ai dit, c'est une posture qui induit joie et bonheur, donc essayez de laisser un sourire sur votre visage. Vous posez les mains sur les cuisses, sur les genoux. Comme on vient de le faire, enroulez les épaules, avancez le sternum et étirez le buste vers l'avant, remontez le périnée, étirez l'arrière de la nuque. Puis à l'inspire, vous levez les deux coudes de chaque côté, vous amenez les avant-bras à l'horizontale, doigts bien étirés, paume de main vers le ciel. Vous expirez dans la posture, étirez l'arrière de la nuque, étirez encore vers l'avant, poussez le bassin vers l'arrière. Vous détendez vos doigts, vous posez les doigts juste devant les genoux et vous ramenez le bassin sur les talons. Vous êtes attentif. De nouveau, vous revenez vers l'avant, le bassin se soulève un peu. Vous relevez un peu la tête et vous êtes conscient du bas du ventre. Et nous allons faire chanter la grenouille. Et le mouvement va vraiment partir du bas du ventre, du périnée. Et ça doit résonner à l'intérieur. N'ayez pas peur, il ne va rien vous arriver. Essayez de vous imaginer une grenouille. Vous voyez, la grenouille se gonfle, se dégonfle. Vous, vous faites pareil. Et on va aller chercher ce son à partir du bas du ventre. Et on y va. Allez-y. Contactez bien. Allez bien chercher ce son. Étirez jusque derrière la nuque. Glissez les omoplates vers la taille. Allez, cherchez cette puissance encore. Sentez la chaleur qui monte dans votre colonne vertébrale. Allez la chercher. C'est une source de vie. Expirez bien. Sentez la chaleur encore à chaque fois. Et revenez. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Respirez longuement et laissez diffuser, et vous amenez les mains jointes devant la poitrine, vous expirez. À l'inspire, vous montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras vers le ciel, déployez le corps. Expire, vous ouvrez les deux bras de chaque côté. Et vous gardez les bras juste en-dessus de la ligne d'horizon. Vous tournez les coudes pour les présenter bien au ciel. Vous étirez jusqu'au bout des doigts. Vous respirez en contractant bien le bas du ventre, étirez encore. Ouvrez la cage thoracique, écartez les côtes. Expire, vous laissez les bras partir vers l'arrière. Vous tournez le dos des mains au sol. Et en expirant, vous allez vous enrouler, le front va aller vers le nombril. Détendez les bras, les épaules. À l'inspire, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Vous ramenez les mains jointes devant la poitrine et vous penchez vers l'avant. Dans l'inspire, vous tendez les bras devant vous, puis vous les amenez vers le ciel, le bassin s'est levé. Et on repousse le bassin loin vers l'avant. On ouvre la cage thoracique, on s'étire. En expirant, on ouvre les deux bras comme on vient de le faire, juste en-dessus de la ligne d'horizon. On remonte le sternum. Si on est bien, on plaque les deux plantes de pied ensemble. Voilà. Et vous montez le buste. Ramenez le menton vers la gorge. Poussez le bassin vers l'avant et les omoplates vers le sol. Vous vous étirez, vous présentez l'arrière des coudes au ciel. Respirez dans la posture.
Vous étirez encore l'arrière de la nuque. Montez le pubis. Ouvrez le sternum. Puis vous descendez les bras, vous les emmenez vers l'arrière. Tournez le dos des mains vers le sol et tranquillement vous raccompagnez le bassin sur les talons et vous relâchez la tête et la nuque là où c'est. À l'inspire, vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Respirez bien. Longuement. Placez le dos des mains sur les cuisses. Étirez le sternum. Respirez. Vous posez les deux mains juste entre les jambes. Doigts vers l'avant. Puis vous allez avancer la main droite de 40 cm. Vous avancez la main gauche à côté de la main droite. Et là, vous laissez le buste s'étirer. Les omoplates vont vers le sol. Vous respirez, vous détendez. Puis vous avancez encore un peu la main droite et vous avancez encore un peu la main gauche. Tout doucement, vous laissez le bassin aller vers l'arrière, le buste s'étirer vers l'avant. Vous respirez. Puis vous allez avancer la main droite et vous allez avancer la main gauche. Cette fois-ci, le bassin ne peut plus rester sur les talons. Les bras, les coudes sont levés, les épaules. Et tout doucement, vous allez poser le front au sol. Vous relevez les épaules, vous relevez les coudes. Et en appuyant sur les mains, vous poussez le bassin vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous posez la poitrine au sol, vous levez les coudes et vous levez les épaules. Vous appuyez sur les mains pour emmener le bassin derrière vous. Vous reposez le front au sol, vous reposez les coudes au sol. Et là, tranquillement, vous levez le sternum et vous levez les pieds pour venir poser le buste en étirant les côtes entre les mains. Voilà, vous posez le buste entre vos mains. Vous plaquez bien les voûtes plantaires. En redressant le sternum, vous poussez les aines dans le sol. Vous poussez les côtes dans le sol. Vous respirez. Si vous avez les côtes dans le sol, un appui dans le pubis, alors on peut dégager les coudes, les ouvrir de chaque côté, placer les bras en chandelier. Et là, on va faire une des pattes de grenouille. On va écarter tous les doigts et on étire tous les doigts. On redresse le buste, on pousse le pubis, on pousse les côtes dans le sol, on respire. N'ayez pas peur, je ne vous fais pas chanter la grenouille encore. Respirez. Redressez. Et posez le bout des doigts au sol. Remontez un peu les coudes. Observez la décharge d'énergie dans le corps. Les bouts des doigts sont au sol. Les doigts sont en dôme. Les coudes au-dessus des mains. Étirez encore le buste et relâchez le bassin. Ne décollez pas les aines. Puis vous posez le front au sol, vous relâchez vos deux jambes, vous les laissez se tendre, vous, en tendant les jambes, ça ramène les cuisses, et vous posez les cuisses, les pieds, et vous resserrez vos deux jambes. Quand vous avez resserré vos jambes, vous étirez de nouveau les côtes vers l'avant, puis vous relâchez les bras, vous tournez la tête à gauche pour déposer l'oreille droite au sol et vous abandonnez tout le corps. Et vous respirez.
Vous respirez longuement. Et puis vous resserrez vos fessiers, vous retrouvez vos points d'appui, vous relevez la nuque, la tête, le front est au sol. Vous tendez les bras de nouveau devant vous, vous redressez le buste, avancez un petit peu vos côtes. Et là, vous placez vos pieds debout, les orteils retournés, vous allez ouvrir vos deux jambes. Vous allez ouvrir vos deux bras de façon à faire une belle croix. Et vous placez le bout des doigts au sol, les paumes sont levées. Vous redressez bien le buste, vous sentez l'appui dans les aines jusqu'au niveau des côtes. Si ça va bien, à l'inspiration, vous levez les bras, vous levez les jambes et vous placez comme un cerf-volant. Vous sentez l'appui dans les côtes, l'appui dans le pubis. Vous regardez la mer toute bleue au-dessous de vous. Respirez dans la posture, détendez vos bras, détendez vos épaules, vous êtes léger. Et posez. Posez le front, tournez la tête à droite, déposez l'oreille gauche, ramenez les bras le long du corps, serrez vos jambes, laissez vos talons s'écarter de chaque côté et respirez. Respirez longuement. Vous resserrez les deux jambes, ramenez la tête dans l'axe, pieds debout, orteils retournés. Vous amenez les deux mains de chaque côté de la poitrine et vous reculez un peu les mains vers le nombril. Serrez les coudes. Tendez les jambes, mobilisez le bassin. Doucement, vous venez à quatre pattes. Repoussez bien le bassin vers l'arrière. Et sur une inspire, vous montez en chien qui s'étire, regard entre les mains. Vous poussez bien le bassin le plus loin possible vers l'arrière. Expirez, talon au sol. Vous laissez l'arrière des jambes bien s'étirer. Et là, doucement, vous allez vous dandiner comme un éléphant. Vous levez la hanche gauche, vous avancez le pied gauche. Vous levez la hanche droite, vous avancez le pied droit. Et vous vous dandinez tranquillement d'un côté et de l'autre. Vous avancez un pied après l'autre pour l'amener entre les mains. Les jambes sont pliées ou les jambes sont tendues, la tête est relâchée. Vous êtes simplement là où vous êtes aujourd'hui. Puis en pliant les jambes, vous enroulez le bas du dos. Vous revenez dans Tadasana. Les deux pieds sont serrés. Vous êtes conscient d'étirement derrière la nuque, les appuis dans le bassin, dans les pieds. Détendez votre visage. Respirez. Pliez un peu les jambes. Doucement, vous levez le genou droit. Et vous allez ouvrir le genou droit sur le côté en étirant tout le corps vers le ciel. Et vous posez le pied sur la cuisse gauche. Ramenez les mains jointes devant la poitrine, c'est un appui. Expirez bien. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes. Tendez les bras vers le ciel et déployez le corps. Déployez bien. Expirez, vous ouvrez les deux bras de chaque côté et vous tracez tout votre arbre.
Vous ramenez, vous soulevez d'abord le genou droit, vous ramenez la jambe droite et vous reposez le pied droit, vous replacez Tadasana. Respirez. De nouveau, vous repliez les jambes. Sur une inspire, vous levez le genou gauche. Tout le corps va se déployer. Vous ouvrez la jambe sur le côté. Vous posez le pied sur la cuisse, là où ça tombe. Vous ramenez les bras vers l'avant et les mains devant la poitrine. Redressez le buste et vous êtes fermement appuyé dans votre bassin. Expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras vers le ciel, déployez le corps. Expirez, vous ouvrez les deux bras de chaque côté, vous tracez les feuilles de l'arbre, les arbres, les branches. Vous ramenez, vous relevez le genou gauche, vous ramenez la jambe dans l'axe et le pied au sol. Vous inspirez longuement. Enroulez bien vos épaules. Vous écartez les deux pieds largeur des hanches. Vous avancez le pied droit. Enroulez vos épaules. Croisez vos doigts derrière le bassin. Essayez de travailler juste pour le plaisir. Montez le sternum. Décollez les mains des fessiers. Inspirez. À l'expire, comme un pinceau, vous avancez le buste et vous poussez le bassin vers l'arrière. Levez vos bras, sentez juste le buste s'étirer. Le menton est vers la gorge, on étire la nuque. C'est les hanches qui travaillent. À l'inspire, on revient dans l'étirement. On ouvre. On plie la jambe droite, on défait, on ramène le pied droit. Vous inspirez longuement. Vous expirez profondément. Vous ouvrez les deux pieds largeur des hanches, vous avancez votre pied gauche un pas. Montez vos deux coudes de chaque côté, croisez les doigts derrière le bassin. Tendez les bras, dégagez les mains des fessiers, inspirez. À l'expire, le buste s'étire vers l'avant, le bassin va vers l'arrière. À l'inspire, on redresse tout le corps. On défait, on ramène. On est en Tadasana. À l'inspiration au côté, vous levez le bras droit, paume de main vers le ciel. Vous étirez tout le côté droit et vous détendez le côté gauche. Vous expirez, vous emmenez tout le corps à gauche. Conscience de l'appui dans les talons. À l'inspire, vous revenez dans l'axe, étirez. Expire, vous raccompagnez le bras droit. À l'inspire, vous ouvrez le bras gauche sur le côté, paume de main vers le ciel. Vous étirez tout le côté gauche, détendez le côté droit. Expire, vous emmenez tout le corps à droite, vous détendez bien le bras droit. À l'inspire, vous revenez dans votre axe. Expire, vous raccompagnez le bras gauche. Respirez. Pliez les jambes. Emmenez les deux bras à l'horizontale devant vous. Levez vos talons. Et descendez le dos bien droit, le plus droit possible et régulièrement. Posez les doigts au sol, relâchez la tête et la nuque. Vous glissez les genoux sur les aisselles, doucement vous venez poser les fesses au sol. Vous pointez les pieds, les deux mains derrière les fessiers, une rétroversion du bassin. Doucement, vous venez vous allonger. Vous étirez bien le dos, la nuque. Et vous glissez les omoplates vers la taille, les bras le long du corps, de chaque côté écartés, paume de main vers le ciel, les jambes écartées, on s'abandonne un instant.
Respirez. On garde l'abandon du bassin des jambes. À l'inspire, on monte la cage thoracique. On ramène le menton vers la gorge, on appuie sur les épaules, on décolle les omoplates. Montez bien la cage thoracique, étirez, détendez le bassin, gardez les jambes détendues. Expire, une rétroversion du bassin pour accompagner le bas du dos. Respire. Respirez longuement. En expirant, vous amenez une rétroversion du bassin. Vous enfoncez le bas du dos dans le sol. Ça relève le pubis. Ramenez le menton vers la gorge. Vous gardez l'appui. À l'inspire, vous levez les deux bras de chaque côté à la verticale. Les épaules sont dans le sol. Vous levez la tête et la nuque. Vous tournez les paumes de main vers l'arrière et en pliant les bras, vous venez poser les mains sur la base de la nuque. Et doucement, vous faites glisser la tête dans vos mains et vous allez raccompagner la nuque au sol. Les mains glissent sur le cuir chevelu. On n'a pas lâché l'appui sur le bas du dos. Vous restez un instant, vous respirez. Ramenez le menton vers la gorge. Sentez l'étirement derrière la nuque. On garde le pubis levé, l'appui sur la taille. On relâche les épaules. On fait glisser les doigts sur le cuir chevelu et tout doucement, on raccompagne les coudes au sol. Détendez les épaules longues, les mains sont sur les épaules. Puis vous raccompagnez les avant-bras au sol. On observe l'étirement derrière la nuque. On a toujours l'appui sur la taille. On relâche les bras, les épaules, on garde l'appui sur la taille, l'étirement de la nuque. Tout doucement, on va relâcher les aines, les jambes, le bassin. On relâche les épaules, on ne garde que l'étirement derrière la nuque, comme si on est suspendu à la nuque. Vous ayez en image un chat qu'on a attrapé par la nuque, il est paralysé. Eh bien vous, c'est pareil. On vous a attrapé par la nuque et vous êtes juste paralysé. Vous ne pouvez plus bouger. Respirez dans la conscience simplement de l'étirement de la nuque, comme si vous êtes suspendu dans la main de l'homme. Vous écartez les ailes du nez. Vous respirez tranquillement. Vous ressentez simplement cette immobilité. La détente dans les yeux, dans la bouche, dans la gorge. Vous sentez le relâchement de tout votre visage, du cuir chevelu, de toute la tête. Et l'étirement de la nuque. Vous observez le relâchement du dos, des bras. Vous respirez juste.
Pour sortir de là, vous allez ramener une rétroversion du bassin. Vous resserrez vos jambes, vous les pliez. Vous glissez le bassin vers les talons. Et en inspirant, vous allez ouvrir les deux bras de chaque côté. Vous les tendez derrière la tête. Vous ramenez bien le menton vers la gorge et vous tendez les bras. Et doucement, vous allez rouler sur le côté droit. Et vous allez faire une toute petite boule en ramenant bien le front vers les genoux. Vous mettez votre tête sur le bras droit. Et là, vous vous abandonnez tout simplement dans la posture. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Abandonnez tout le corps longuement. Longuement. Ouvrez les yeux, fermez les yeux. Sentez de nouveau votre dos, votre nuque normalement. Vous accueillez les étirements. Et vous allez revenir. Une grande inspiration, une grande expiration. Vous reprenez conscience de votre corps. Inspirez longuement, expirez longuement. Et petit à petit, vous venez vous asseoir. Venez bien vous asseoir pour retrouver la verticalité dans votre colonne vertébrale. Sentez bien l'étirement derrière la nuque. Replacez votre respiration. Nous allons chanter trois fois le chant du Om pour fermer la séance. Vous inspirez longuement. Expirez profondément, videz bien. Inspirez pour le chant. Vous inspirez longuement, laissez le souffle se suspendre. Expirez, Yoga Mudra, vous restez à vide. Quand vous avez besoin d'inspirer, déroulez le dos. Vous revenez avec un sourire. Merci à vous. Une belle soirée. Profitez bien et au prochain cours.